à tous. 大家好, 欢迎收看 l'ABC du chinois. Bienvenue à notre programme l'ABC du chinois. Nous allons vous apprendre aujourd'hui à prononcer comme il se doit le pinyin he. Puis nous vous montrerons ce qu'il se passe lorsque trois troisièmes tons se suivent. Nous vous présenterons ensuite le radical huo qui a pour signification le feu. Et enfin, nous tâcherons de nous entraîner à la prononciation en vous montrant comment les Chinois traduisent les noms d'acteurs et de films. Eh bien, commençons sans plus attendre avec le pinyin he. Afin de prononcer de façon correcte le pinyin he, il s'agit de maintenir la partie arrière de la langue tendue et haute. Shuli, aurais-tu des conseils pour nos téléspectateurs? Bien sûr. Mieux vaut, dans un premier temps, s'entraîner à prononcer he en ajoutant une voyelle. Par exemple, le ou. Ainsi, vous pourrez petit à petit maîtriser parfaitement la prononciation de ce pinyin. Voyons ce que cela donne aux quatre tons avec le pinyin he, suivi de la voyelle ou. Hu, hu, hu. 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 Outron. Outron. Ruelle. Bienvenue. Hong. Hong. Rouge.这条胡同有很多家小店，我们过去看看吧。看，这条胡同有很多家小店，我们过去看看吧。好，你想买什么样的衣服？我也没想好呢，穿着合适的就行。欢迎光临。欢迎光临。 Lorsque trois troisièmes tons se suivent, la situation se complique légèrement. En raison d'un environnement linguistique différent, l'intonation des trois caractères se prononçant normalement au troisième ton s'en trouve changé. Prenons l'exemple de Zhan Lan Guan,
salle d'exposition. Chaque caractère pris individuellement se lit normalement au troisième ton. Jan, lan, guan. Pourtant, lorsque ces caractères sont regroupés, les deux premiers se lisent au deuxième ton. Seul le troisième caractère conserve la marque du troisième ton. Continuons directement avec le radical huo, signifiant le feu, la flamme. Le caractère en lui-même ressemble à un feu qui s'élève vers le ciel. Les deux points de chaque côté du caractère représentent les flammes du feu. Le sens des caractères utilisant ce radical ont toujours un rapport avec le feu et la chaleur. Shan shu. Shan shu. Briller, étinceler. Ce caractère fait office de clé, pouvant se trouver du côté gauche ou en position basse d'un caractère. Je vais vous apprendre maintenant une expression populaire avec le caractère huo qui signifie connu, célèbre. Par exemple, ta xian zai hen huo. Il est très connu en ce moment. J'espère que ce sera utile pour vous, mais revoyons maintenant le vocabulaire du jour. Shan shu. Briller, étinceler. Nous profiterons de Zhongguotong aujourd'hui pour travailler votre prononciation du chinois avec les noms chinois du film et d'acteurs. Moi qui m'intéresse beaucoup au cinéma, j'ai été assez surpris à mon arrivée en Chine de constater qu'il n'est quelquefois pas évident de reconnaître la version chinoise des noms d'acteurs et de films. Attention, il ne s'agit pas pour vous d'apprendre le vocabulaire que nous allons vous dévoiler, mais plus de vous familiariser avec celui-ci. Yves, si je te dis Nicolas Cage, à quel acteur tu penses? Eh bien, Nicolas Cage. Bravo! Essayez de le prononcer à votre tour. Nicolas Cage. Et comment dit-on Tom Cruise, par exemple? Tom Cruise. Tiens, d'ailleurs, comment se traduit Mission Impossible en chinois? Comme en français, la traduction des titres de films n'est pas toujours littérale. Il s'agit de « Die Zhong Die ». Le deuxième « Die », signifiant « espionnage », le sens du titre reste proche de l'idée générale du film, mais ne correspond pas à une traduction mot à mot. As-tu une anecdote à nous raconter sur le sujet? Bien sûr, c'est vrai que j'ai vécu une expérience assez drôle avec un film de Lu Ke Bei-sung. Vous voyez lequel réalisateur je veux parler, je présume. Ah oui, tu m'en avais parlé, des amis chinois, de parler du film Léon, dans lequel Jean Reno joue le rôle d'un tueur à cage et tu ne comprenais pas de quel film il s'agissait. C'est bien ça.
Il faut savoir que le titre en chinois donne ceci. Zhege shashou bu tai leng. Répétons-le ensemble. Zhege shashou bu tai leng, qui signifie littéralement un tueur pas si impassible. Donc si vos amis chinois n'ont pas de notion de l'anglais, il sera bien difficile de leur faire comprendre de quel film vous parlez. À moins de connaître la version chinoise du titre du film. Hu, 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 hu. Hu, 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 hu. Hu, hu, hu. Ruelle. Huan yin. Huan yin. Bienvenue. Hong. Hong. Rouge. 这条胡同有很多家小店，我们过去看看吧。好，你想买什么样的衣服？我也没想好呢，穿着合适的就行。欢迎光临。这件衣服有红色的吗？有，还有黄的和绿的。好，那我试一下。好的。 这条胡同有很多家小店，我们过去看看吧。看，这条胡同有很多家小店，我们过去看看吧。好，你想买什么样的衣服？我也没想好呢，穿着合适的就行。欢迎光临。欢迎光临。 这件衣服有红色的吗？有，还有黄的和绿的。好，那我试一下。好的。 Eh bien, c'est la fin de la leçon du jour. Souvenez-vous que le pinyin he se prononce de cette façon. He. Lorsque trois troisième tons se suivent, les deux premiers se lisent au deuxième ton. Seul le dernier caractère conserve le troisième ton. Le sens des caractères utilisant le radical « huo » ont toujours un rapport avec le feu et la chaleur. Entraînez-vous à prononcer les traductions chinoises de termes étrangers, cela vous aidera dans votre apprentissage. Bon courage et à bientôt. Zaijian.